Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens juste de me réveiller donc ouais, ma coupe ça laisse à désirer, ma voix aussi, surtout que j'ai mal à la gorge là. On est mardi, je vais faire mon petit déjeuner. J'ai fait un beurre de cacahuète maison qui est délicieux. Du coup je vais déjeuner ça avec une tartine de pain complet. Ça va être trop bon. Et il y en a plein qui m'ont demandé la recette. Alors bah j'étais un petit peu gênée. Ouh là ça se met en route. J'étais un petit peu gênée parce que franchement en fait j'ai pris des cacahuètes, je les ai mis dans un mixeur, j'ai attendu que ça fasse une texture de beurre et c'était terminé. Enfin, le seul truc c'est que j'ai rajouté après des morceaux de cacahuètes que j'aime bien, qu'il y a un peu des morceaux, des granules et tout. Donc voilà, et là je vais faire mon déj du coup. Donc voilà mon petit déjeuner, donc là c'est milkshake lait soja banane avec des flocons d'avoine et du monsieur au chocolat, enfin c'est un petit mélange. Et là ma tartine de beurre de cacahuète maison. Oh là là, ça a l'air si bon. Et ben contre-temps, je viens de recevoir je sais pas combien de mails de YouTube puisque il y a une dizaine de mes vidéos qui sont démonétisées. Alors non, je ne fais pas YouTube pour de l'argent, mais quand 10 vidéos sur un mois sont démonétisées, c'est-à-dire que je vais avoir rien à la fin du mois. Faut savoir que je suis étudiante, que je dois manger aussi, que même si je paye pas mon loyer, je paye tout le reste, donc si je veux manger et vivre, il me faut un petit peu d'argent quand même dans le mois. Donc là, il va falloir que je règle ce souci ce matin. J'avais pas que ça à faire, hein. Oh là là, ça me saoule, hein. YouTube, vous m'énervez, hein. Oh putain, mais oui. Mon internet ne marche plus depuis hier. Enfin, j'ai de la 4G, mais ça marche pas très bien et j'arrive plus à connecter mon ordi. Comment je vais faire? Mais même pour les vlogs, enfin là pour l'instant je suis en galère, enfin il n'y a rien qui charge. Je peux même plus regarder des vidéos sur YouTube, je peux plus charger Instagram. Et depuis hier c'est ça, pourtant je suis en 4G, je comprends pas pourquoi. Bref. Mon ordi, rallume-toi s'il te plaît, j'ai pas le temps. Allez ordi. Oh putain. Oh putain, je suis dégoûtée, c'est mon intro qui a été bloquée. C'est-à-dire que toutes mes vidéos sont démonétisées là. Je suis dans une merde pas possible. Ah non, c'est mon outro, c'est la fin de mes vidéos. Oh là là, putain. Ça marche pas, putain. J'ai pas internet en fait. J'ai aucun autre moyen d'avoir internet que en 4G. C'est comme ça d'habitude que je fais. Ça marche. Pourquoi ça marche pas? J'ai éteint mon portable 12 fois. Bon, impossible de connecter mon ordi à internet. Je peux plus rien faire sur mon portable presque en 4G. Je suis dégoûtée parce qu'en fait j'ai du boulot en fait. C'est un peu ça le problème. Donc là ok, il y a un souci de monétisation. Faut que je règle le problème. J'y arrive pas, c'est une chose. Mais j'ai du boulot autre que ça. Et ben je vais pas pouvoir le faire ce soir. Demain c'est férié, j'avais pas mal de trucs à faire. Ben j'espère que ça va se régler parce que sinon ça va vraiment être la merde. Je vais passer ma journée dans un café quoi. En plus je sais pas si vous en rendez compte, mais j'ai énormément de boutons et je suis portez pas ma gueule. Clairement je supporte pas du tout. Pour certains ça va être peu, mais moi qui avais énormément d'acné et ensuite plus trop, je supporte plus revoir ma gueule avec des boutons. Là ça me dégoûte, c'est horrible. Maintenant temps de partir. Clairement je suis fine stressée. En plus je gère très très mal le stress. Ouais non là ouais non pas cool, pas cool du tout. C'est pas très grave, demain c'est férié, voilà. On va se reposer, se déstresser. J'ai juste une petite blouse comme ça et un petit pantalon noir et des bottines. Voilà, j'y vais. Bon, je vous ai pas repris mais là il est 13h, je vais à la salle de sport. Ça me permet de me rebooster pour la fin de journée. Oui, donc je vous disais que ça me permettait de me rebooster pour la fin de journée. Enfin clairement de couper ma journée avec du sport au milieu. Je trouve ça trop bien. Je fais juste du cardio, enfin tranquille en fait. Je me mets sur un petit tapis tranquille, je regarde une petite émission. Enfin vraiment ça me fait trop du bien de faire ça. Et voilà, donc j'aime bien faire ça et je fais ça dès que je peux en fait le midi. Et ensuite je mange des pâtes avec la sauce tomate maison que j'ai fait hier et avec des pois chiches et c'est super bon. Thank you.
Bon, ça y est, j'ai fini ma petite séance de sport habituelle. J'ai super faim, donc je retourne manger au boulot. Yo, me revoilà chez moi. Il est pas tard du tout puisqu'il est 18h45, je pense, quelque chose comme ça. Oui, je vous avais dit que j'allais au sport ce soir et d'ailleurs je devais y aller. Je suis bien triste de pas pouvoir y aller, mais j'ai eu une fuite féminine, si on peut dire ça comme ça. Je vous passe les détails, mais voilà, il s'est passé des choses pas très chouettes. Je me suis pas très bien organisée, on va dire, donc c'était un petit peu urgent que je rentre parce que, ben ouais, la tâche au cul, ça va 2 minutes quoi. Bref, donc là je suis rentrée, demain je travaille pas puisque c'est férié, donc ça c'est trop chouette, je vais me réveiller tôt, j'ai pas mal de vidéos et de choses à faire, donc c'est cool. Le problème c'est que je n'ai toujours pas internet, je comprends pas pourquoi, j'ai éteint mon téléphone pendant 10 minutes, j'ai mis en mode avion, j'ai enlevé ma carte SIM, j'ai demandé à mon copain de chercher sur internet s'il y avait des infos pour mon forfait, je sais pas s'il y avait un bug, rien, j'ai demandé à ma soeur qui a le même forfait que moi, elle n'a pas de soucis de son côté, clairement je ne comprends pas, en fait j'ai internet mais un tout petit peu alors que pourtant il y a écrit que je suis en 4G, donc je comprends pas du tout là ce qui se passe. Je mets 6 heures à charger une vidéo, c'est tout flou, ça bug toutes les 5 minutes. Mettre un truc sur Insta, genre une story, il faut 1 heure pour la poster. Lorsque je vais charger un site web, ça finit, le site est tout moche, on dirait une page Word parce qu'il a pas eu le temps de charger. Enfin bref, c'est une cata, donc je sais pas comment je vais faire pour bosser demain et ça me saoule un petit peu beaucoup. Mais bon, va falloir que je m'adapte. Sûrement, je vais sortir dans un café si j'ai des choses à faire avec internet. Mais bon, voilà, pas chouette, hein. J'avais pas du tout faim ce soir, mais du coup je me suis dit qu'il fallait quand même que je mange. J'ai attendu un petit peu mais j'avais toujours pas faim. Là il est plus de 21h, il va être 22h. Et j'ai mangé quelques carottes avec un kiri. Voilà, j'aime bien faire ça, tremper mes carottes dans le kiri, c'est très bon. Voilà. J'ai pas trop faim, je suis hyper fatiguée. Je prends des médicaments depuis quelques jours et il me semble que ça m'épuise vraiment. Enfin que c'est... Je pense que c'est le temps que je m'habitue. Donc voilà, j'ai pas trop faim, je suis assez fatiguée. Et je pense que c'est à cause de ça, mais que ça va se rétablir dans les prochains jours. Mais vous inquiétez pas, il y a rien de dramatique, voilà. Sinon je suis en train de regarder 90 enquêtes. Je vais déplier mon lit et puis je vais me faire une petite soirée comme ça de toute façon. J'ai toujours pas internet. Et j'ai compris pourquoi en fait, c'est que je crois que j'ai bouffé mon forfait de 4G. Pourtant j'ai 100 gigas et d'habitude je les utilise jamais. Enfin j'ai vraiment jamais été à court. Et en fait c'est que après les 100 gigas j'ai encore internet mais en réduit. Et c'est pour ça que tous mes 100 000 ans à charger et que je peux presque rien faire sur mon téléphone. Mon ordi je fais en partage de cours, je peux pas être sur mon ordi non plus. Je peux presque plus rien faire et je pense que c'est pour ça. En tout cas je vois pas d'autres raisons et j'ai vu que j'avais consommé plus de 100 gigas. Donc je pense que c'est ça. Si j'ai bien compris mon forfait se remet demain. Donc ça va, c'est chouette, je vais pouvoir bosser demain parce que c'est surtout ça qui m'inquiète. Demain c'est férié et il faut que j'en profite pour bosser quoi. Normalement ça va être bon demain donc c'est cool, voilà. J'ai regardé ma petite émission. J'ai fait mon petit rituel cellulite aussi, comme tous les soirs. Il est minuit passé. Et du coup, c'était bien ça. Mon forfait s'est rechargé et j'ai bien internet comme il faut. C'était du coup ça le souci. Voilà, je suis très fatiguée. Je vais me coucher. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau vlog. Bisous. Coração.